Et salut les amis, bienvenue sur Anno 2205. On se retrouve pour ce troisième épisode en votre compagnie et on va aller choper les ennemis Orbital Watch. Cette bande de rats qui s'en prend à nos navires, faut leur en faire baver. Alors je viens juste de commencer la mission, je sais pas si ça va recommencer là où je suis, je vous explique juste le bordel, c'est juste que j'avais pas... lancer le logiciel de capture, donc peut-être que vous allez avoir raté le début de la mission, on va voir ça tout de suite. Ça charge comme tout à l'heure, donc ça a l'air de recommencer au début, c'est bien. C'est parti. Là, c'est là que ces fichus poltrons nous ont attaqués. Ils tournaient autour de nos navires comme un essaim de mouches à viande. Ah, vous avez rameuté des renforts, à ce que je vois. Faites gaffe. Je les ai vus à l'œuvre. Ils n'ont pas le moindre scrupule. Forcer le blocus et libérer nos navires. Je suis avec vous. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est bon, je regardais. Ok, alors, comment ça marche? Vous avez la minimap là. Alors, il y a énormément de choses dessus. Forcément, c'est moi qui ai rajouté des filtres. Normalement, on a juste les véhicules ennemis, donc les petits points rouges là. Mais moi je veux que tout soit affiché, pourquoi? Parce que je veux tout récupérer. Tout ce qui est récupérable, l'iridium, les trucs comme ça, toutes les... c'est des ressources. Ça là, c'est l'iridium. On a du graphène. Et ça, tout ça, en fait, ça va nous servir plus tard. Donc je veux en avoir plein. Cible acquise. Donc on va récupérer tout ce qui est sur la carte. Ça va passer l'épisode s'il faut, mais je veux tout. Donc pour cette première mission de combat, on est en mode facile et en plus on a un petit bonus, c'est-à-dire qu'on a un bateau avec et des voilà, drones de réparation qui vont nous réparer dès qu'on aura le moindre petit problème. Nous sommes sous le feu. Allez, attaque. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Ah oui, c'est des kamikazes en plus. Donc il faut les attaquer avec le clic droit, mais c'est un petit peu bizarre. J'ai carrément raté mon coup. Hein. Le curseur de menace des voyages transmaritimes est dans le rouge. Quelqu'un n'est pas censé intervenir. Utiliser les boucliers cinétiques 4 fois. Oui, ça devrait pas être trop dur. Ok. On est en route. On va pouvoir aussi, au fur et à mesure, améliorer notre flotte. Bien entendu, avoir des bateaux plus puissants et avoir plus de bateaux. Activé. Voilà, on est censé en avoir 8 à la fin. Allez, butez-le! Je veux qu'il meure! Voilà, on a ça, donc impulsion EM. Ça permet au bateau de d'avoir une impulsion électromagnétique qui permet de pas se... Ce qui permet de ne pas... comment dire ça? En cours de réparation. On peut pas se faire attaquer en fait. Voilà. Je savais pas comment dire. Ok, alors on va continuer par là. On va péter ça. On a une autre mission là, c'est quoi? J'ai pas d'autre choix que de me tourner vers vous. Vous êtes parmi les rares capables d'y survivre. Alors, trouver des minerais précieux sur la terre ferme. Accepté. Ça, ça peut se faire vite zef. Voilà, c'est ça. C'est des gros trucs en plus, ça va être super voyant. C'est pas ça. En plus, ils sont mis en surbrillance. Donc ça va être vite fait. C'est sur la côte. Ok, donc on en a deux. Il nous en faut un petit troisième. Là. Voilà. Vous en savez capable. Et vous ne m'avez pas déçu. Ça, c'est pareil, on a un bonus à la fin de la mission si on arrive. Si on a fait toutes les missions bonus, donc voilà pourquoi je veux les faire aussi. Mais des fois c'est des missions assez périlleuses, donc on les fera peut-être pas à chaque fois. Au poste de combat. Ok. Ah oui, je vais peut-être pas commencer par le haut parce que notre objectif principal c'est là. Hein. Il faut libérer ce bateau là. Alors heureusement qu'il a pas une jauge de vie. Moi bon, j'aurais dit qu'à la base on est censé faire comme ça. Notre vaisseau est indestructible, donc ça va, on a tout notre temps. On peut venir les buter eux. On nous attaque.
son deck. Ennemi repéré, ouvrez le feu. EM, allez. Ouais, je suis sur le coup. Au poste de combat. Et drone de réparation. Drone de réparation lancé. Voilà, il faut que je les utilise, je crois, en plus, donc Ah non, bouclier cinétique. D'accord. Puissance dérivée sur les boucliers. D'accord. Et maintenant, vous allez attaquer. Du coup. Cible acquise. Limite, chaque bateau peut faire un truc. Toi, tu vas là. Toi, tu vas chercher les trucs là. Et toi, bah, tu attaques. On est paré. Ok, est-ce qu'on a d'autres trucs à récupérer là? Ouais, il y a juste deux petits trucs là. Vous donc avez toi... du boulot pour moi? Non, tu peux pas. Ok. Et où mon petit bateau là? Le petit, là. On est en route. Ok. Donc le bouclier machin. Il faut... Ouvrez le feu. Où ça? Ici. Missile nucléaire lancé. Missile nucléaire pour deux bateaux. Oh les dégâts de ouf. Tu m'étonnes. Non, dégage. Reçu. Alors, vous êtes trois, vous venez là, on va vous remettre sur les boucliers. Puissance dérivée sur les boucliers. Reçu. Et vous venez par là récupérer des petits trucs. Est-ce qu'on a des choses à récupérer par là? Non. Ouais, on va peut-être se dépêcher un peu quand même. Ok. Bouclier cinétique, c'était ça. Hop. Bouclier d'énergie levé. Hop. EM. Hop. On peut avoir une flotte d'appui aussi. Ça, à la limite, on s'en servira à la fin. Allez, bah voilà, y a même pas besoin de. Alors on peut avoir 3 trucs de chaque à chaque fois, hein, ici seulement. Et bonus, on peut les avoir que par 3. Bah ouais. Voilà. Butez-les. Système d'armement activé. Voilà, énorme. Merci. Reçu. Avarie en cours de réparation. Okay. Ah oui, on est au max ces deux trucs là, donc en fait on peut pas les récupérer si on est au maximum. Cible acquise. Bon, c'est pas grave, les petits trucs bleus on s'en fout, hein. On va pas les récupérer, on va juste récupérer tout ce qui est graphène et iridium. Parce que ça nous intéresse. Ça nous permettra de construire des trucs en ville plus tard. Par contre, on voit niveau que l'armement est pas. Où est-ce qu'on peut aller maintenant? On peut aller t'attaquer toi, à la limite. Et est-ce qu'on va se mettre une flotte alliée? Ici. Ils se font buter avant qu'on arrive, c'est ça qui est cool. Ok, par contre les alliés restent au même endroit. Donc on peut pas les. On peut pas les changer de place. C'est ça qui est dommage. Ah oui, ça par contre c'est violent. Hein. Puis si vous avez des trucs comme ça, faut les attaquer le plus vite possible. Voilà. Ça aussi c'est violent parce que ça lance des missiles. Enfin, des torpilles. Je crois qu'en faisant shift, je sais plus si shift, contrôle. On est paré. Je sais plus, je crois qu'on peut mettre des ordres, dire bah par exemple tu fais d'abord ça et après tu fais ça. Au poste de combat. Thank you.
Allez. Oh la vache. Il est fort lui. Kamikaze là vite. Voilà. Ok. Bah ça on peut pas les récupérer. Ça on peut le récupérer du coup. Ok. Engagez le combat. Donc on est au max. Les missions. Oh, on avait oublié ça. Système de réparation activé. On est là. Ce sera le plus petit. Alors toi. Et toi. Putain. Tira détruire ça. Voilà. Et les deux autres. Ok, vous allez vous attaquer. Lancement de missiles nucléaires. Vous allez vous attaquer à personne puisqu'ils sont morts. Alors c'est bien, les missiles nucléaires, on peut les mettre aussi sur, sur des bâtiments ennemis. Quand on aura d'autres missions éventuellement plus tard, on pourra leur dire d'attaquer ailleurs. Voilà là. Ouf, ils ont pas eu le temps de nous faire un grand chose. On est en route. On est en route. Ouais, alors toi tu récupères ça et ensuite on sélectionne tout le monde. Et on va aller attaquer ce mur. Bon, 12 minutes. Oh là là. Ah bon, on a fait plus de la moitié, donc ça va. On va peut-être pouvoir faire 2-3 trucs encore. Ouais, on va mettre les réparations quand même. Ne vous inquiétez pas, les drones retaperont ça. Nickel, hop. On a dit qu'on pouvait attaquer ça. IEM, c'est quoi le... Extinction des feux. Oh merde. Paré à l'action. Ouais, il va servir à rien. On nous attaque. Ouais, là par contre, on va faire ça. Ah ouais, ça va être utile. Ok. On a des ennemis aussi hein, qui se réparent tout seul. Lui il a la capacité de se réparer. Hein. Donc il faut les buter le plus vite possible de manière à ce qu'ils réparent pas leur bateau. Voilà voilà. Vous inquiétez pas. Les drones retapent ça. Non c'était pas ça. On va remettre une mine ici. Généralement ça repousse les ennemis. Comme ça. Voilà. Juste pour les repousser. Ok, bien voilà. Reçu. Hey. Ok, pas besoin. Paré à l'action. Allez, crève. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les missions. Il y avait une autre mission justement, là. Justement, c'est vous que je cherchais. Vous pourriez me rendre service. Oui, accepté. On va prendre juste toi. Viens livrer là. Ok. Et vous. Voilà. En avant, vous faites votre boulot, c'est très bien. Ok. Au poste de combat, il nous attaque. D'accord. Oui, ils vont nous attaquer aussi, bien sûr.
Donc les missions, on est à combien? Alors ça, il fallait utiliser les boucliers. Hop, 4 fois. Espérons ça c'est fait. On va lui refaire une beauté. Livrer 3 iridium, alors tac. Le travail, ça avance? Des problèmes à signaler? Livrer. Livrer. On a fini de décharger. Ça rigole pas avec ça. C'est fait. Ok, et là. Une petite étape pour sélectionner tous les navires à la fois. Ah, d'accord. Coordonnées confirmées. Ok. Et ben, on va peut-être aller défendre notre copain là, du coup. C'est parti. Alors, on va juste se mettre là. Et puis, on va leur faire une attaque destructrice. On va utiliser nos flottes. Hop. Voilà. Et nous, on fait rien. On peut même faire ça. Hop. Voilà, c'est trop mal fait parce qu'on peut même pas détruire le bateau qui est à nous. C'est n'importe quoi. Et un petit dernier là. Défaite ennemie confirmée, félicitations. Vos équipages vous disent merci. Ok. Voilà, tous les objectifs là. Et on a des bonus à chaque fois. Hop, niveau. Eh, niveau 3 direct. C'est pas beau ça. Allez, mais au revoir toi là. Pourquoi ça reste affiché la mission? Et on peut améliorer nos bateaux. Pour combien? Beauté, bah les deux. On a bazardé tout le vieux matos. Ouais, c'est bien. Et du coup, pas quitter la mission. De vous revoir indemne. Cette attaque nous a tous flanqué un sale coup à Global Union. Mais le programme doit se poursuivre. Nous avons perdu contact avec le consortium d'excavation lunaire. Apparemment, la plupart des colonies lunaires se sont rangées du côté d'Orbital Watch. L'entrée en service de votre ascenseur orbital est plus cruciale que jamais. Ok. Donc alors ça, on s'en fout. Et là, du coup, je... Finir la construction du spatioport. Voilà. Bien. Alors... terminer la construction du spatioport mondial. Si je fais ça, il va se terminer immédiatement et on va avoir le droit à une super cinématique, je crois. Donc, je voulais faire ça pour la fin de l'épisode. Donc, est-ce que toi, t'as des trucs Dépêchez à proposer vous. J'ai passé l'âge pour ce genre d'aventure. Je passe la main pour la prochaine fois. Alors, vous feriez aussi bien de lever une flotte digne de ce nom. Passez d'accord. Au chantier naval pour faire construire ou réviser vos navires. Oui, oui, je sais. Enfin, les abonnés ne savent pas, mais moi je sais. Et c'est pas prévu pour l'instant. Sympa la petite musique. Alors, est-ce qu'on manque de quoi que ce soit? Non, bien entendu. Bien entendu. On peut pas. Alors, j'ai vu dans les... en faisant le montage des deux autres vidéos que on a la petite partie là qui n'a pas été upgrade. Donc, ça m'embête parce que c'est pas comme je voulais. C'est convenable ici, pour l'essentiel. Sortir dîner, je pourrais finir par lui faire. On peut pas te remettre à 1. Il y a un problème au travail? Non, mais j'aimerais bien vous rétrograder. Parce que là, en plus, c'est 1. C'est n'importe quoi. Et ben, c'est pas grave. On va refaire des nouvelles habitations. On va refaire un nouveau quartier ici. Alors, clic droit. Tac. Et zut. Je veux aller trop vite. La route. Il me faut un autre conteneur.
nickel. Et ah oui, on va les upgrade. Nickel. Oui, hein, et ces deux là. Nickel. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il manque des trucs. Non, faut construire le spatioport. Ok. Et bah ça fait 20 minutes. Bah on va aller faire le spatioport. Voilà. On a des petites missions là qu'on peut faire aussi. Seulement vous pouviez vous charger de ça. Récupérer les débris avec votre véhicule et les acheminer jusqu'au navire. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on a? Arrimer voilà le navire. Je vous ai abordé directement. D'accord. Ok, ok. Alors attention les amis, ça va faire mal aux yeux. On construit le spatioport. Câble arrimé. Cabine parée au départ. Alerte. En approche de la station spatiale de Global Union. Parée à l'amarrage. Félicitations, c'est la première marche vers l'espace. Vous avez désormais accès à tous les modes d'opération sur le marché mondial. Début de la phase 2 du programme de licence lunaire. C'est tout. Ouais, je pensais qu'on avait un super truc là. Enfin, cette animation est très bien, mais ouais, je m'attendais pas à ça. Ok. Non, c'est pas ça. Je crois qu'on a un truc à faire par là. En zone arctique, toutes vos opérations seront placées sous la juridiction des Arctic Custodians. Jetons un œil à leur territoire. Au prochain épisode, les amis. Bah ouais. On débloquera la zone arctique. Et bah voilà. On a trouvé ce qu'on va faire la prochaine fois. Bon, bah voilà, c'est terminé. Nous, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 4. Allez, salut! Ok les amis, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, cliquez tout de suite sur le logo de ma chaîne afin de vous abonner. Quoi? Vous n'avez pas vu le dernier épisode? Oh mon dieu, cliquez sur le lien de gauche. Ah, vous voulez voir l'épisode suivant? S'il est disponible, un lien va apparaître à droite. Merci.